من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نوتاس ما بيسي راديو أهني تلفزيون الهدى جيت ولا كلا عرض بعد بام تابا الهدى مركتي يا نيب سانكلي يا سامبا نيام بكلا عن كباكي لا جيس عن كباك راديو أهني تلفزيون وينغه إدنا بيلب لما يتدبا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته wala yam sangeta telewem nye nimba maramba kelebe wilgri la mba anti yir fa yir kepi et kanande won liko tin nan lebe bangame nan ko samti am venra menga kelon wala get bayinga alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala nabiy wa ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaykum wa barakatuh merci de nan pou sa telal huda get ba fa gilli et la de pou sa to dam fa gilli ton yura saïd bon kongo. Donc, je suis le coordinateur du groupe scolaire Excellence Islamique. D'accord, soyez les bienvenus à l'Ouda Market. Merci. D'accord. Tu es le costume, mais bien, Rabbi. Alhamdulillah, Rabbi Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulullah. Rallam ya Abdul Hamid Nikiyama, coordinateur du groupe scolaire Excellence Islamique. D'accord. Oui, co-coordinateur. D'accord. Oui, Maria. Où est-ce que tu es là? Tu es à l'Ouda Market. Ti wayam sankela la gese ya école mbon ti excellence islamique haye et kana king varo ni toulum. Alors on va essayer de savoir voilà la cause donc de votre venue ici frère Bonkongo. Donc alhamdulillah alamin, grand merci à vous. C'est effectivement nous sommes là pour la rentrée scolaire. Mais bien que les élèves sont concernés, mais également les enseignants. D'accord. Parce que nous organisons à leur intention une formation, mais d'abord pour les primériens et ceux de la maternelle. D'accord. Les enseignants donc de la maternelle, les monitrices et moniteurs, d'accord, et les enseignants du primaire, que nous aurons une formation pour eux, afin qu'ils puissent donc affronter l'année scolaire avec sérénité. D'accord. Donc c'est uniquement vos enseignants ou bien d'autres anciens peuples? Effectivement, si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour que porter le message donc aux autres d'accord enseignants. Sinon, nos enseignants sont déjà informés et sont prêts donc pour cette formation. Ok. Mais on veut partager cette formation donc à l'ensemble donc du public du corps enseignant afin que ça puisse être bénéfique, parce que nous savons qu'actuellement le ministère donc a fait sortir donc des nouveaux documents de travail. D'accord. Au primaire comme à la maternelle. C'est ça. Donc, et c'est complètement différent donc, des anciens. Donc, ça fait qu'il y a lieu, quand même, qu'il y ait une formation conséquente pour que les anciens puissent maîtriser ces nouveaux outils. D'accord. Alors, donc, pour plus de précision, quels sont les modules que vous allez enseigner ou bien. Voilà. Ok. Donc, ça va être un rappel sur ceux qui ont déjà fait la formation d'abord, sur la gestion de la classe, okay, la motivation, la préparation des cours. Mais on va affronter les nouveaux curricula et également les nouveaux documents à exploiter. Donc voici donc ce qu'il y a donc comme base. Mais à la fin donc de la formation, nous avons organisé donc une conférence publique et le thème sera donc la responsabilité de la mère et de l'enseignant sur le devenir donc de l'enfant. Mashallah. Pour intervenir les parents, notamment donc nos mamans. On dit que la mère, donc, bien sûr, donc, c'est la première enseignante de l'enfant. C'est ça. Donc, et maintenant aussi les enseignants qui contribuent grandement au devenir donc, des enfants, des élèves. Donc les deux sont interpellés pour que à la fin de la formation, notre grand cher Omar Sankara, Inch'Allah, okay, animera cette conférence à leur intention. D'accord. Où est-ce que ça va se passer? Effectivement, la formation aura lieu du 8 au 10 septembre. D'accord. Au centre d'excellence à la mine de Ouagadougou, qui est situé à Karpala. Oui, juste un peu sur la nouvelle voie qui mène vers le nouveau palais de justice, et à quelques 200 mètres donc, du lycée privé Thomas Sankara. À droite. D'accord. C'est dans l'immeuble, donc la fissurée. D'accord. Pour ceux qui ne sont pas de votre, disons, de l'établissement, oui. Comment ils peuvent participer? Effectivement, pour ceux qui ne sont pas de notre, comme on a si bien dit, nous avons contacté donc des inspecteurs du ministère qui sont qualifiés, okay, et qui ont de l'expérience dans le domaine. Mais tout compte fait, il y a une contribution de leur part, d'accord, d'une somme de 20 000 francs. Okay. On sait que ces nouveaux curricula,
Il n'y a pas de guide comme ça d'abord qui permet aux anciens donc de bien se préparer pour le nouveau livre. Donc ça fait que ils vont se déplacer avec une équipe pour venir donc assurer cette formation et comme il se doit afin que ce soit pas un handicap pour eux. Donc la contribution c'est 20 000 francs. D'accord. Alors donc nous tirons vers un peu la fin de l'émission qu'on va essayer d'écouter le frère. Oui, mais avant donc tout, effectivement, pour ceux qui peuvent, qui ne connaissent pas l'endroit et qui veulent en tout cas vous contacter. Oui, oui, mais rapidement, je vais tenter de remercier parce qu'on a fait une grande activité. D'accord. Et le 6 août dernier, le concours d'excellence à Ouara 2000. Nous allons profiter donc remercier donc nos différents soutiens, nos différents coordonnateurs, Hadji Nipao Idrao, Haroun Idrao, Al-Hadji Dera, notre président de cérémonie, Al-Hadji Djengere, et notre parrain, Al-Hadji Tansa. On n'a pas oublié donc le président de la fédération, Al-Hadji Omar Zouna, qui était présent. Mashallah. Et remercier donc l'ensemble donc vraiment du public, des parents d'élèves et les élèves qui ont excellé, tous ceux qui ont participé à ce concours-là, les remercier vivement. D'accord. Sinon, cette formation, comme je l'ai dit, aura lieu à la mine de Ouagadougou, à l'internat de la mine de Ouagadougou, à Karpala. Et ceux qui veulent participer donc peuvent nous contacter au numéro suivant, le 70 70 09 51, le 78 22 52 01, le 65 38 58 55. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Et je m'avis ici, Wayam Kelare, Bamia, groupe scolaire Excellence Islamique et à Wardoka.
Monsieur Bunkungu, bon carsame, c'est la poussée la barre comme tu es dans son massacre, il est venu à voir. Et Nayal Sazikanga la poussée, tu as excellence islamique, il y a 42 kateka, nataba, toi dans Malahanwaka, dit que vient Mankoyam Haye. On a son sort la vie, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi. Al-Houda Market. Télé Al-Houda vous offre la possibilité de communiquer en direct avec les téléspectateurs sur les ondes de la 711.25 MHz. Pour vos annonces, vos conférences, vos séminaires de formation, vos inaugurations des mosquées ou toute publicité licite en islam, soyez les bienvenus sur TV Al-Houda. L'enregistrement est prévu pour chaque samedi à 13h. Pour de plus amples informations, contactez-nous au 77 50 09 22 ou au 77 50 09 24.